Vaincre la mucoviscidose sur le projet Voile, en fait, c'est né l'année dernière, l'année de la Route du Rhum. Ça s'est super bien passé avec Vaincre la Muco France. Et sur ce nouveau projet, avec le nouveau bateau VNB, j'ai vraiment souhaité aussi aller encore plus loin et mettre vraiment les couleurs de l'association Vaincre la mucoviscidose sur le bateau directement. J'ai aussi intégré une patiente qui s'appelle Marine, qui a 16 ans, qui a atteint de la maladie et qui est devenue en fait équipière du bateau, qui navigue et qui nous aide à préparer le bateau. Elle a aussi, elle, pour but, pourquoi pas, de faire de la course large par la suite, éventuellement faire la Route du Rhum en 2018 aussi. Donc, c'est vraiment un lien qui est fort sur ce projet. C'est une maladie en fait qui touche les muqueuses, notamment des enfants. C'est une maladie génétique qui comporte très très peu de patients et d'où le terme de rare au niveau de la maladie, ce qui fait qu'en fait le financement pour soigner des enfants et des patients malades coûte très très cher. Et le but de cette association Vaincre la mucoviscidose, c'est justement d'aller chercher des dons pour aider tous ces gens qui sont malades et trouver des traitements, accélérer la recherche pour soigner au plus vite ces patients. L'espérance de vie au début de la maladie, qu'on a commencé à la connaître, était vraiment restreinte. Les gens arrivaient à peine vivre jusqu'à 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 50 ans. Donc c'est vraiment un combat qui va de l'avant et qui montre que on va réussir à guérir cette maladie.